Voilà. Donc normalement, tout est à jour. Hop, si je mettais les deux petits points, ça serait bien, non? Non, ça c'est un point d'exclamation. Voilà. Voilà. Bon, allez. Qu'est-ce que j'ai de beau là? Ça peut revenir là. Ça peut revenir là. Maintenant, faut se brancher. Cette souris a pas l'air mal. Du coup, ce que je me suis acheté comme souris, c'est une Dragon War Unicorn. Et les clics-clics font pas clic-clic. Et la molette est silencieuse aussi. Et elle a une taille normale de souris, quoi. Alors, c'était quoi? Non, je sais plus. Je ne sais plus. Dragon licorne, ouais. Il y a les odeurs de gésier là, partout chez moi. Avec les LED tuning. Mais là, elle n'arrête pas de changer de couleur. Faut que j'installe, je pense, le logiciel. Alors, le truc, c'est qu'ils fournissent un CD minuscule, donc il va falloir que je télécharge le truc directement sur Internet parce que je peux pas utiliser ce CD. Je vais jouer à SWTOR, ouais. SWTOR! Non, plus Dark Horizon. On change. Ah, ça fait je sais pas combien de temps là maintenant que j'y ai joué. J'ai peut-être enlevé ça, j'en ai pas besoin. Hop. La manette. Ah! Non, c'est bon. Ouh, le chat, elle aime pas du tout les feux d'artifice là. Elle est en train de paniquer. Le chien, il s'en bat les tempes. Youp là. Ah, si je change pas le truc du jeu aussi. Ah, hop. Quand ça voudra bien se charger. Ah, oups. Bon alors, Empire ou République? Elle, j'ai fini son histoire. Chez toi, c'est des couche-tôt, il n'y a plus rien. Ah ben moi, ça y est, ils sont à fond là. J'en ai deux d'Empire et j'en ai trois. Non, trois d'Empire et deux en République. Il y a du Jedi, il y a de l'avant-garde, il y a de l'assassin, de l'agent secret ou de la maraudeuse. Mais j'avais pas baissé le son du jeu. Ah, mais j'ai dû le remonter. Parce que tu sais que j'ai. Ils ont réussi quand même à entendre la musique sur un truc où on l'entendait à peine, quoi. Alors on fait quoi? C'est vous qui choisissez. Oui, mais c'est normal, c'est le son qui est. J'ai baissé la musique. Mais ça va, Nana? Oui, bah oui. Bah c'est de la musique, tu penses? La minette? Allez. Je viens de la commencer en plus. Le gardien. Oui. Alcaline. Comme les piles.
je peux monter le son du jeu. Bon, quand ça voudra, hein. Ok. Le son va être trop fort là, je pense, hein, pour le coup. Parce que ça va faire piou 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 partout et puis voilà. Donc elle, je suis vraiment au début. Et je sais pas ce que je devais faire. Parler au caporal Garoum. Nous avoir soigné, j'espère, blablabla. Ah oui, c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? D'accord. J'entendais un bruit qui faisait fap fap fap. C'était un peu bizarre. C'est par où? On va dire que c'est par là. Alors j'espère qu'ils vont arrêter de nous balancer des boules de neige, là. Parce que c'est pénible. J'ai rien demandé. Lieutenant, caporal Garoum, madame. Prêt à vous informer sur la guilde des marchands du voyage à votre commandement, madame. Passons aux choses sérieuses. Voilà la situation, madame. La guilde des marchands du voyage est une organisation criminelle composée principalement d'aliens dont les maisons ont été détruites lors de l'assaut de l'Empire sur Coruscant. Ils ont commencé à occuper ce secteur et n'ont jamais voulu partir quand la sécurité de la République a essayé de les expulser. Depuis, il existe comme une trêve officieuse. J'espère que ma mission ne va pas compliquer les choses. Moi aussi, madame. Mais elle est prioritaire. Le général Garza m'a informé que votre cible principale dans la guilde était un inventeur de cyborgs du nom de Krell. D'après les rapports, ce Krell serait au moins 3 fois plus fort et plus rapide qu'un humain, sans parler de son intelligence supérieure. Ça ne va pas être facile de l'abattre, madame. Je resterai sur mes gardes. En plus, Krell a imaginé et conçu toute une armée de droïdes de guerre perfectionnés qu'on pense destinés à Tavus et aux autres traîtres des forces spéciales. Toute cette puissance de feu sera une grosse perte. Tavus va le regretter cette fois. Le général Garza veut que tous les droïdes de guerre de Krell soient neutralisés avant leur expédition, madame. Je vois pas pourquoi on a besoin d'un soldat comme moi pour ça. Krell et ses droïdes sont bien trop forts pour de simples opérateurs des forces spéciales comme moi, madame. Krell a envoyé ses droïdes patrouiller dans la base de la guilde des marchands du voyage. Le général Garza veut que vous les trouviez et détruisiez tous. Ah, attends, faut que je rapproche le PC. Voilà. Vous avez une idée de l'endroit où se trouve Krell? Négatif, madame. On sait qu'il est à l'intérieur, rien de plus. Je vous ai tout dit, madame. Bonne chance et bonne chasse. Ouais, ça marche. C'est pas où, c'est par là. Alors, est-ce que je peux pas m'y rendre? Non. De quoi? Ah oui, c'est vrai. Piou piou piou. Ah, trop tard. Qui a mis la lumière? C'est quoi ça? Ah
Alors, je sais pas jouer avec les raccourcis clavier, donc je passe mon temps à... C'est bien ça qu'il fallait faire? Détruire le truc. Ah bah non, mais je suis pas du tout au bon endroit. C'est par où? Alors, c'est par là. Ah oui, je pensais pouvoir passer inaperçu. Visiblement non. C'est par où? Toujours un petit peu perdu là. Emboutillage de SMS. Oui, mais c'est pour ça que je m'embête même plus à essayer de les envoyer à minuit parce que de toute façon. J'appellerai demain. Hein. Sinon, on va les recevoir dans 3 jours. Et de 1, oui. Une autre encoche à ma crosse. Là, il y en a plein. Hop là. Et de 3, oui. Détruire les droïdes de guerre. Où ça? Voilà. Cible neutralisée. Il est pas assez près. Bon, y a des trucs, je sais pas trop à quoi ils servent là. Faut que je les range quand même.
Ça, par exemple, c'est pour les trucs au corps à corps, comme ça, là. Vague ionique, c'est pareil, portée 10 mètres, c'est quand même pas... Portée 10 mètres. Tout ce truc-là ont une petite portée quand même. Voilà. Ça active pas tout, ça dépend si je suis assez près ou pas. Les trucs qui sont encore à corps, par exemple, je peux pas les activer si je suis pas tout près de l'ennemi. Hop là. Switch. Ah oui, bah ça, les cooldowns, c'est normal. Il y en a qui se rechargent plus. Si tu veux, tu peux pas faire toutes en même temps. Donc, quand t'en recharges une, elle a un certain délai de réutilisation. Sale vermine de la République. Tu crois vraiment pouvoir détruire mes créations impunément grâce à ta mort? Ta sale république va voir ce que ça fait de se mêler de mes affaires. On y croirait presque. T'as du courage, hein? Mais le courage te sauvera pas. Tu arrives trop tard. Mes plans sont déjà en marche. Bientôt, les gens de ce monde se mettront à genoux devant mes plus grandes créations, mes chefs-d'œuvre. De quoi vous parlez, Krell? J'ai pris des humains quelconques. Je suis un méchant, j'en ai équipé quelques-uns d'améliorations cybernétiques perfectionnées. Leurs capacités sont presque aussi grandes que les miennes. Les améliorations des cyborgs sont internes et indétectables. Les sujets eux-mêmes ne savent pas qui a été amélioré. Et personne ne le saura. Jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Vous allez payer pour ce que vous avez fait, Krell. Imbécile! La seule issue possible est ta mort. Après m'être occupé de toi, je vais ramener mes créations à la vie normale et attendre l'activation de mon programme secret. Ce type ne manque pas d'air. Je n'y crois pas. Une fois mes chefs-d'œuvre lancés, les habitants de Coruscant vivront constamment dans la peur. Qu'est-ce que ces cyborgs vont faire? Je crois que tu ne le sauras jamais. Détruisez-la! Ici le général. Dépêchez-vous d'aller détruire les cyborgs créés par Krell. Nous devons nous en occuper maintenant, avant qu'ils ne disparaissent dans la population. Ces situations ne sont jamais simples. Ces gens n'ont pas choisi ce qui leur arrive. Mais la vie d'autres personnes pourrait être menacée. Vous devez éliminer les créations de Krell. La menace sera éliminée. Bien. Contente. Oh, mais non, mais non, mais il n'arrête pas de désapprouver, lui. Oh, t'es chiant. On n'est pas sûr que Krell disait vraiment la vérité, madame. Qu'il ait menti ou non, ces cyborgs constituent une menace que nous ne pouvons accepter.
Je vous donne l'ordre de tuer, lieutenant. J'en assumerai toute la responsabilité. Maintenant, allez-y. Tuer ces gens est une erreur, et vous le savez, Garza. Il le faut pour la République. C'est tout ce qui nous importe. Terminé. C'est une perte de temps. On devrait pourchasser ces traîtres, pas abattre des gens. Jamais content de dire Fenris. Ça nous a dit qu'ils pouvaient être dangereux. Je ne vais pas massacrer ces gens. Je me fiche de ce que dit Garza. Quoi qu'on fasse, faisons-le vite. Oh, je suis une rebelle. La gourou. Reculez. La porte est fermée à clé. Vous ne pouvez pas entrer. On a suivi tout le combat, et on vous a entendu parler à ce monstre de Krell. On sortira pas tant qu'on n'aura pas l'assurance d'être en sécurité. Ouvrez cette porte, on va discuter de ça. Mais on n'est pas des cyborgs. Je le saurais si j'étais une sorte de machine. C'est ridicule. Vous, dehors. Écoutez, je sais pas pour les autres, mais je peux vous assurer que je suis pas un cyborg. Quoi? Tu dis que je suis un monstre comme ce Krell? C'est faux. C'est peut-être toi le cyborg. Et tu veux tromper tout le monde. C'est pas vrai. Il a passé bien plus de temps à travailler sur toi que sur moi. Alors si quelqu'un doit... Arrêtez tous les deux. On n'est pas des cyborgs. Un point, c'est tout. Aucun moyen de le prouver, madame. C'est ridicule. Même si certains d'entre nous sont des cyborgs, vous allez quand même pas tuer tout le monde pour vous assurer qu'aucun cyborg survive. Vous avez raison. C'est absurde. Je peux pas faire ça. Alors vous allez pas nous tuer? Vous allez nous laisser partir? Je vais le regretter, mais... Donnez-moi votre nom et votre numéro d'identification et je vous laisse partir. Quoi? Pour pouvoir nous suivre et nous tuer plus tard? Pas question. Si ça nous permet de sortir, alors d'accord. On va mettre les informations sur un bloc de données pour vous, soldat. Bien. Reculez. Je vais ouvrir la porte. Voilà le bloc de données, soldat. Merci de nous épargner. Rentrons tous chez nous. J'espère ne pas découvrir que finalement vous étiez dangereux. On fera de mal à personne, je vous le jure. Merci encore, soldat. Adieu. Je suis trop gentille, hein. Lieutenant, mes ordres étaient pourtant clairs. Éliminez les cyborgs de Krell. J'ai pas pu, Général. J'ai pas pu. Vous aviez votre arme. Vous les aviez piégés. Et vous aviez des ordres. Tout était réuni. Lieutenant, en mission, vous suivez d'abord mes ordres, puis votre cerveau, puis votre cœur. C'est comme ça que ça marche. Les sentiments n'ont pas leur place dans notre travail. Il doit en être de même pour vous, ou nous sommes condamnés à l'échec. Si on agit sans sentiments, qu'est-ce qui nous sépare de l'Empire? Nous sommes cruels pour que les habitants de la République n'aient pas à l'être, lieutenant. Il le faut pour que la République ne devienne pas l'Empire. Gardez ça en mémoire. Revenez à mon bureau. Il faut que je vous parle de votre prochaine mission. Garza, terminé. Ouloulouloulou, je me suis fait taper sur les doigts. C'est ça, rentrons pour notre vidange. Pour aller boire un coup. Donc. Taxi des marchés galactiques. Ouais, je crois qu'elle en a rien à foutre que ce soit une nouvelle année, si tu veux. Je suis méchante, ta gourou. Station de véhicules ouverte. Passez un excellent séjour.
Moi, j'en profitais pour aller chercher des chocolats. Voilà. Salut Darkbane, un peu de cœur, c'est lassé. Alors, tous ces bons chocolats qui me tendent les bras. Lequel vais-je choisir? Hop, oh, voilà, mon fou. Oh, wow. Pourquoi c'est écrit en gros? C'est quoi cette brouille? Régional Indicator, mais quoi? D'accord. Les émoticônes qui marchent pas là. T'as plus de chocolat? Ah ben voilà, fallait pas tout manger. J'ai dû appuyer sur un bouton qu'il fallait pas. Pourquoi j'ai sorti mon arme? Mais non! Touché. Mais quoi? Bon. Je trouvais qu'on était en sécurité ici. Attends, parce que... Ah, voilà, ça va mieux. Oh, mais qui me balance des trucs, là? J'aime pas ça. J'ai rien demandé. En même temps, moi, j'en avais trois boîtes différentes de chocolat, donc... Heureusement que j'ai pas tout mangé d'un coup. C'est pas du tout là. C'est pas là non plus. Oh. Pff, cet endroit est encore plus impressionnant que sur les holo vidéos. J'ai du mal à croire qu'on fera nos rapports ici à partir de maintenant. J'ai pas encore loupé un truc, si. Lieutenant, je pense qu'il n'y a rien à ajouter concernant vos exploits à la guilde des marchands du voyage. Passons à votre prochaine cible, le Soleil Noir. Une puissante organisation regroupant les plus violents criminels de Coruscant. Le Soleil Noir dispose d'un vaste réseau qui lui procure les armes les plus dangereuses du marché, dont un gaz neurotoxique que Tavus leur achète en grande quantité. De quoi est capable cette chose, au juste ? Je ne dispose pas de toutes les caractéristiques, mais il figure parmi les gaz les plus mortels qui existent. Vous devrez redoubler de prudence. Jaxo, un sergent des forces spéciales, a déjà effectué des missions de reconnaissance au QG du Soleil Noir. C'est elle qui vous dira comment procéder. Il faut éviter à tout prix que ce gaz neurotoxique tombe entre de mauvaises mains, lieutenant. Employez la force nécessaire. Rompez.
un pendu là. C'est quoi ça? Gain d'influence intermédiaire pour machin, vas-y, cadeau. Merci beaucoup. Eh ben alors, bonne soirée à toi, Darkbane. Qu'est-ce que c'est cette peau de je sais pas quoi? Oh, joli. Je passe mon temps à me perdre dans ce jeu. C'est impressionnant. Il faut que je fasse quoi et que j'aille où? Ah oui, il faut que je change sa coupe de cheveux à elle, c'est vrai aussi. Parce qu'elle ressemble à l'autre à la même. On va y aller par là. Ça tombe bien. C'est eux qui explosent et qui font chier? Alors, qu'est-ce que j'ai en réserve? On va commencer depuis le début, mais la chauve, non, c'est moche. Bon, là, ça fait Genghis Khan. Si c'est pas beau, si c'est pas très très beau non plus. Ça, c'est moche aussi. Ça, alors, bon. Hein? Bon, ça peut être pas mal. Ça, c'est trop négligé pour une militaire. Ça, c'est trop bien coiffé. Donc, on va partir sur ça. Voilà. Voilà. Elle est toute mimi comme ça. Simple et efficace, c'est ça. Et maintenant que je suis de niveau 15, j'ai pas des améliorations en plus. Je vais aller voir ça, parce que... Tant qu'à y être. Mon armure. C'est une Khajiit, presque. Alors, c'est quoi ça? Entraînement de contrebandier? Non. Alors, tu vends quoi? Oui, niveau 14. Ça doit être bien ça, non? Regardez notre inventaire. Des trucs de niveau 7. Et moi, j'ai quoi? J'ai du niveau 5. Eh bien, on va augmenter de niveau. Alors, du résistant. Poup. Du fatal. Poup. Et c'est quoi? Efficacité. Poup. J'ai beaucoup d'argent ou pas? 3000. Ça c'était pour ça. Ça on peut rien faire parce que c'est pas lié
Ah oui. Faudrait peut-être que j'achète le reste en fait de ça. Pour l'instant, je peux changer que ça. Eh ben, merci, BDO, Evinus, je ne sais pas. Bonne soirée. Alors, à qui est-ce que j'achète des trucs déjà ? Merci de votre confiance. C'est pas lui. Je crois que c'est Cantina, contrebandier. Non, c'est pas lui. Ça doit être là. Les trucs personnalisables, oui. On a les meilleurs prix dans cette région de la galaxie. Regardez. Porte quoi sur moi ? C'est du phalanx. Alors... Oh, ça coûte cher tout ça. Le casque. Ça, c'est des brassards, 2500, ouais. Ça, c'est des gants. J'ai plus tout. Alors, est-ce que je vais pouvoir... Merci de votre confiance. Améliorer ou pas ? On a les meilleurs prix dans cette région de la galaxie. Regardez. Alors, on va lui prendre ça. Un module. Je peux, oui. Maîtrise, endurance, puissance... on va peut-être prendre ça. Voilà. Et sophistication, je peux plus l'acheter. Par contre, peut-être que si je lui vends ça et ça, maintenant je peux. Index de critique, ça peut être pas mal. 6, 7... Ou la précision. À la crité, je sais pas ce que c'est. Critique 6, critique 7. Allez, vas-y. Voilà à quoi il ressemble. Avec le casque, bon, c'est pour ça que je préfère le masquer. Et afficher la corruption, non, on s'en fout, de toute façon elle n'est pas corrompue, donc... Voilà. Et du coup, toi, je te regardez vends... Regardez notre inventaire. Ça. Que puis-je faire pour vous ? Et je te vends... c'est quoi ça ? Non. Bon, ben voilà. Merci de votre confiance. Une Playmobil, c'est ça. Oh, joli. Réduire le temps de canalisation des sorts. D'accord. Est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Non. Bon, ben on est bon là. Regardez notre inventaire. Que puis-je faire pour vous ?
Merci de votre confiance. Alors, il faut que j'aille ici. J'ai rien de plus ? Non, bon, tant pis. Ah ben non, c'est tous les 10. Station de véhicules ouverte. Ça fait quand même très cinquième élément tout ça. Non plus qu'il y ait une Lulu qui nous tombe dans le... qui nous tombe dans le coffre. Et là j'ai des flocons. Parce qu'on me balançait des... une boule de neige là où je sais pas quoi, c'est un truc spécial pour les fêtes. Sauf que c'est chiant. J'ai rien demandé, moi. Oui, j'aurais pu prendre l'escalier, ça aurait été plus vite. Tiens, tu vois, on m'en a encore balancé. Crois-tu ?
Décrivez vos symptômes. Apte au service. Regagnez votre poste. Salut Marcus. Et bonne année. Hey, vous devez être le nouveau commandant du chaos. Je suis Jaxo. Contente de vous rencontrer. Contente de vous rencontrer également, sergent. J'espère que vous êtes prête, lieutenant. Vous allez avoir du pain sur la planche. Non, je suis sur Coruscant. Votre tâche enviable consiste à détruire une cargaison de bombes neurotoxiques que le Soleil Noir veut envoyer à Tavus. Ce gaz s'appelle Trivoris. C'est effrayant. Une seule bombe peut couvrir 1 km² et tuer la totalité de ses occupants en moins de 10 minutes. Il y a un moyen sûr d'éliminer ce gaz. Heureusement pour nous, c'est assez simple de neutraliser le Trivoris, en tout cas pendant qu'il est encore dans les bombes. Le contenu de cette bouteille rend le Trivoris complètement inactif à son contact. Reliez-la aux bombes dans la base du Soleil Noir, et on en parle plus. Je dois juste laisser le gaz neutralisé comme ça? Une fois le Trivoris neutralisé, il est inutile. Pas besoin de le récupérer. Le général Garza a dit de ne pas s'en occuper. Oui. Vous avez également un autre objectif. Il y a quelques heures, une mallette rouge a été amenée sous en temps, je fais dans la base du Soleil Noir. Si ce que contient la mallette a de l'importance pour le Soleil Noir, c'est pas bon pour nous. Vous devrez la trouver et me ramener son contenu. C'est comme si c'était fait. Une dernière chose. Le Soleil Noir a disposé des brouilleurs de signaux dans la base. Le général Garza ne pourra pas vous aider si vous avez des problèmes. Il y a un moyen de neutraliser les brouilleurs? Non. Les brouilleurs sont dans les murs de la base. Il faudra des heures pour tous les dénicher et les détruire. Une fois que vous aurez neutralisé le Trivoris et récupéré tout le contenu de la mallette, revenez me voir ici pour confirmer les résultats de la mission. Bonne chance, lieutenant. Oui. Il faut que j'ai envie de massacrer des gens pour... Faut que je me mette à jouer les sadiques. Quoique de vrais sadiques dans les trois personnages de l'Empire que j'ai, il n'y en a vraiment qu'un. Hein. Les autres, si elles peuvent éviter de tuer... T'es un méchant? Non. On ne tue pas plus que nécessaire. Sauf avec Yamamoto qui lui zappe tout le monde. Neutralisé. Je vais au bon endroit, oui. Mais donc de base, je suis profondément gentille, donc jouez les. Les tortionnaires, qu'est-ce qu'il discute tout seul, lui, c'est ça? C'est pas trop mon premier réflexe. Mais quand je suis énervé, il n'y a pas plus obscur qu'Alex Hawk. Ah, ça, c'est sûr. Je crois que même l'autre, là, de mon site ultra méchant est plus gentil qu'elle. Bon, Alexo qui était une vraie crevure, ça, y a pas de souci. J'ai essayé de faire toutes les quêtes pour avoir mon vaisseau, parce que pour l'instant, je l'ai pas. Comme je suis que dans le prologue. Comme ça, quand les gens des niveaux supérieurs vivent bien. Euh...
qu'est-ce qu'il faut nettoyer? Il y en a dans toutes les pièces. Une autre encoche à ma crosse. Pour l'instant, j'en ai fini qu'un. Ma classe est contrebandier. Mais j'en ai 6 en cours en fait. 3 de chaque côté. T'as fini toutes les classes? Eh ben dis donc. Quatre ans pour finir, tu m'étonnes. Après, en faisant toutes les quêtes secondaires que tu trouves ou en te focalisant juste sur les quêtes principales des classes? D'accord. Ah oui, les histoires de chaque planète. Ok. Une autre encoche à ma crosse. Ouais, moi c'est pareil. Je joue par impulsion. Tout d'un coup, allez, j'ai envie d'y jouer. Bim, et puis alors là, ça peut être des journées entières. Bon, du coup, j'ai oublié d'activer un truc, là, c'est ça? Non? Bah non. Ouh, reste pas dans le cas. Thank you.
Est-ce que j'ai pas un moyen de retourner la voir ? Autrement, non, faut que je fasse marche arrière. Bon. Mais je peux pas sortir de véhicule là. Ils sont où d'ailleurs ? J'ai que ça ? Ça m'étonnerait. Le côté de l'Empire, toujours quelle classe ? Le chasseur de primes là. J'ai fait une espèce de grenu désagréable au possible. Il y a quoi ? Il y a l'agent secret. Et puis une autre. Ah mais si, mais il y a le méchant site là. Qui veut tous les pouvoirs du monde. Ah bah non, en fait, alors j'en ai 4 de chez... chez l'Empire, alors. Et j'en ai une autre. Je sais plus ce qu'elle fait. Bon, bah j'ai les 4 comme... les 4 classes, en fait. Cible neutralisée. Qu'est-ce que je fais ? Ça c'est bon. T'as fini un Kitter Seed 5 fois ? Oh ! Ah oui quand même, donc t'aimes bien zapper les gens en fait, c'est pire que moi. Et puis moi il a le look et tout hein. T'inquiète que je l'ai soigné celui-là. La petite Jedi, il te l'a zappé comme comme pas possible, histoire de la faire obéir. T'aimes pas l'histoire de Jedi ? Le Jedi consulaire, je suis pas fan. Je trouvais ça chiant. L'autre, ça va à peu près. Hey, vous revoilà. Vous avez réussi ? Vous avez pu neutraliser le Trivoris ? Mission accomplie. Et la valise rouge ? Vous avez pu récupérer ce qu'elle contenait ? La valise contenait ce blaster, sergent. J'ai jamais vu une arme pareille. Ça doit être une sorte de prototype. Je vais rapporter ça au QG pour l'analyser. Peut-être qu'on découvrira d'où viennent les armes du Soleil Noir. J'imagine qu'on en a fini, alors. Ça a été un plaisir, lieutenant. J'espère qu'on retravaillera ensemble un jour. Je parlerai de vous la prochaine fois que j'aurai besoin d'un soutien. Ça me fait plaisir. À plus tard. Lieutenant, c'est le général Garzar. Nous avons un problème avec le Sénat et j'ai besoin de votre aide. Vous voulez tuer un sénateur ou quelque chose ? Non, bien sûr que non. Même si ça pourrait être tentant dans la situation actuelle. Malgré tous mes efforts, 3 membres du comité de défense du Sénat ont eu vent de la trahison du chaos et ils voudraient des détails. Il s'agit d'une enquête informelle pour l'instant, mais vous imaginez bien que ça ne s'arrêtera pas là. Je déteste la politique. Le Sénat représente le peuple. C'est notre devoir de les aider. Vous avez raison, lieutenant. Mais chaque seconde passée à répondre à ces questions est une seconde de moins pour arrêter Tavus et ses hommes. Les sénateurs ont demandé à ce que vous veniez témoigner au plus vite dans leur bureau, dans la tour du Sénat.
Je n'ai pas le droit d'influencer votre témoignage, mais je vous rappelle que chaque information rendue publique complique notre tâche. Vous êtes en train de me demander de mentir au Sénat, Général ? Je ne vous ai jamais demandé de mentir, lieutenant. Ce serait illégal. Je vous rappelle simplement les faits. Les sénateurs doivent vous attendre. Je ne fais qu'en réfléchir à voix haute. Et finissez-en vite avec tout ça. Garza, terminé. Comme si on n'avait pas suffisamment de problèmes comme ça. Oui, mais je ne mentirai pas. Alors, pour l'instant, 160... 165, 8, 5... On va prendre celui-là. Alors, donc là, normalement, je dois pouvoir me téléporter, non ? Le temps pour y arriver chez toi ? Ouais. Mais après, moi, le Jedi que j'ai, là, il est un peu borderline, si tu veux. Il s'est un petit peu emporté. Il a flanqué une rouste à une nana au début de son prologue. Même moi j'étais surprise, j'étais pas bien. Je m'attendais pas à ce qu'il fasse ça en fait. Je fais ah bon bah tant pis. Oui. Le mariage de Corso et Miracine. Miratine ? Je sais même pas comment ça se prononce. Je lui ai inventé un nom, je sais pas comment il se prononce, c'est quand même pas mal. Dans genre mariage express dans le cockpit. Lieutenant, mettez-vous à l'aise. Au nom du Sénat de la République Galactique, je souhaite vous remercier de vous être présenté aussi vite à cette enquête informelle. Je suis à votre service, sénateur. Je peux vous assurer que nous ne vous retiendrons pas trop longtemps, lieutenant. Le but de cette enquête est d'examiner la défection de l'escouade numéro 326 des forces spéciales de l'armée de la République, nom de code KO, pour l'Empire Sith. Parfait. Vous avez récemment servi... pour l'escouade du chaos sur ordre mantel, lieutenant, c'est bien ça ? En effet, sénateur. Alors que vous serviez sur ordre mantel, tous les membres de l'escouade du chaos, sauf vous, ont rejoint l'Empire, c'est bien ça ? Oui, sénateur. Mon escouade a déserté devant mes yeux. Bien. Est-ce que le commandant a vu ? Ah ! Bon, mais pourquoi t'es pas content ? Je dis la vérité, ça devrait te plaire, non ? Mince, hein, zut. Bon, d'accord, on va faire autrement. On va les énerver. Lieutenant, mettez-vous à l'aise. Au nom du Sénat de la République... Blablabla. C'est mon devoir, monsieur. Je peux vous assurer que nous ne... Le but de... Parfait. Blabla. Vous connaissez déjà la réponse. Qu'est-ce que vous voulez ? C'est une simple question, lieutenant. Votre hostilité est injustifiée. Alors que vous serviez sur ordre... Si vous voulez me faire comprendre quelque chose, dites-le. Lieutenant, vous êtes un soldat de la République, et vous avez juré d'obéir aux lois du Sénat. S'il vous plaît, nous essayons juste de découvrir la vérité. Si des membres importants des forces armées de la République ont déserté, nous allons devoir prendre des mesures. Mais si, oui, bon, s'il y a moyen avec lui, là. Je ne sais pas quels sont les autres partenaires qu'on va avoir. A montré des signes de, disons, d'instabilité, de colère, de frustration. L'agent secret, là, ça va être avec Vector, ou Vector, si c'est possible.
Et l'autre, je sais pas. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Je ne sais pas. Oui, monsieur. Non, monsieur. Je pense pas connaître assez ces personnes dont vous parlez, monsieur. Lieutenant, vous êtes en train de mentir au Sénat de la République. Je ne mens pas, je ne les connaissais pas. S'il vous plaît, personne ne souhaite que cela prenne de l'ampleur. Répondez honnêtement, et nous pourrons peut-être éviter tout ça. Lieutenant, imaginons que tout cela ait eu lieu. Pensez-vous qu'une personne en poste sur ordre mental aurait pu prévoir cette situation? Désolé, je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Il veut dire que toute votre escouade a rejoint l'Empire Sith et que vous refusez d'aider le Sénat dans cette affaire. Si vous ne nous fournissez pas de réponse satisfaisante, nous allons devoir ouvrir une enquête officielle. J'ai une dernière question, lieutenant. Quel lien, si lien il y a, entre les événements qui ont eu lieu sur Ando Prime et la désertion de l'escouade du Chaos? Sénateur, je vous rappelle que l'affaire d'Ando Prime a été classée et s'est produite avant l'engagement du lieutenant dans l'escouade du Chaos. Vous pouvez ignorer cette question, lieutenant. On en a fini ici? Votre rôle dans cette enquête s'achève. Vous pouvez retourner à vos occupations. Un partenaire de l'Empire. Au revoir, lieutenant. Faut voir. Parce que bon, à la base, si j'ai choisi son... de faire un Khajiit, là, je sais plus qu'à c'était pour lui. Mais, faut voir. Je dois aller où parler au général Garza? Qui est... on sait pas trop. D'accord, donc c'est un ancien qui s'est... un ancien de l'Empire qui est venu... se ranger du côté de la République. Oh bah alors. Bon, rien n'empêche de le dragouiller. Si ça rend tout jaloux, on verra bien. Comme je faisais avec Corso. Contente de vous revoir, lieutenant. Nous avons beaucoup de choses à nous dire. D'abord, permettez-moi de vous féliciter pour l'opération Soleil Noir. Vous avez fait du bon travail en neutralisant ce gaz neurotoxique. Ce prototype de blaster que vous avez subtilisé nous en apprendra également davantage sur les fournisseurs du Soleil Noir. Quels que soient les fournisseurs du Soleil Noir, ils sont doués. Concernant les sénateurs, ils n'ont pas été enchantés par votre témoignage. Pour tout dire, inutile et irrespectueux sont les mots qu'ils ont utilisés. Oh bah alors, ça n'a aucun intérêt. Je vais rester avec lui. Agrogrou, c'est comme ça que je vais l'appeler. Il a toujours l'air en colère. Je voulais juste assurer nos arrières, madame. Mais notre marge de manœuvre est étroite, lieutenant. Trop énervé, le Sénat pourrait avoir de terribles conséquences. Ah, c'est plus subtil que Dragon Age 2, ça c'est sûr. Pour tout le monde couche avec tout le monde. Mes agents ont découvert un nouveau lien crucial pour l'escouade du Chaos, ici, sur Coruscant. Jack Cardan, le fondateur de l'escouade du Chaos et ancien guide du commandant Tavus, a été aperçu dans les bas-quartiers. Il servirait dans un groupe d'autodéfense locale. Est-ce que Cardan est lié à la trahison, général? Cardan a démissionné et a disparu après la débâcle d'Ando Prime. S'il revient aujourd'hui, ça ne peut pas être une coïncidence. Tavus m'a dit qu'Ando Prime était la raison de la trahison du Chaos. Qu'est-ce qui est arrivé sur cette planète? Le Chaos a été envoyé sur Ando Prime pour enrayer une offensive de l'Empire. Mais nos renseignements avaient sous-estimé leur nombre. Quand nous avons voulu envoyer une unité d'extraction, le Sénat a annulé l'opération. Nous aurions causé un... Après, si je dis pas de bêtises, ce jeu-là, c'est aussi BioWare. Le Chaos s'est retrouvé prisonnier, sans aucune aide. Mais malgré toutes ces difficultés, Cardan a sorti le Chaos de là, vivant. L'escouade du Chaos a bien été trahie par le Sénat.
Ils ont dû faire face à une terrible situation, mais ça n'excuse pas tout. Cardan a démissionné dès qu'il a su la vérité. Et Tavus a pris le relais avec l'escouade. Rien n'a jamais été pareil. Ce qui compte aujourd'hui, c'est que nous ayons localisé Jack Cardan. Je veux que vous le rameniez à tout prix. Je m'en charge. La milice pour laquelle Cardan travaille s'appelle la Brigade des Justicards. Ils contrôlent une grande partie des bas quartiers de Coruscant. Et sont hostiles envers tous les visiteurs. Mais on va voir Samara. Ces types doivent travailler comme des pros pour contrôler un si grand territoire. Ils sont très populaires dans les bas quartiers. Ils maintiennent la paix où la République en est incapable. Mais attention, les Justicards ne sont pas amis avec la République. D'après nos renseignements, Cardan passe la plupart de son temps dans la base principale des Justicards. Vous devrez le capturer là-bas. Cardan est essentiel pour nous mener au reste des traîtres du chaos, lieutenant. Ramenez-le vivant. Débrouillez-vous. Si Cardan représente une menace, je devrais peut-être le tuer. Je comprends. Mais ne laissez pas votre gâchette prendre le meilleur de vous. Je compte sur vous, lieutenant. Rompez. Justica, en fait, c'était le nom anglais de du boulot que fait Samara. C'est quoi déjà en français ? Probatrice ou non, je sais plus. Un truc comme ça. Il faut que je prenne le taxi. Moi j'ai ça pour battre ça. Et on m'a encore balancé des boules de neige. Bon, genre pénible. C'est vous, hein, les petits fumiers qui faisaient ça ? Qui faisaient ça, oui, parce que je parle très bien la France. Bienvenue. Veuillez choisir un itinéraire disponible. Fais pas ta Jean-Claude Van Damme à ne plus connaître tes termes français. Eh non mais des fois ça m'arrive. Hein, d'avoir le mot qui sort en anglais, j'arrive plus à le trouver en français. J'adore cette course débile. Je suis plus assez aware, c'est ça. Oui. Pour l'instant, oui. Puis je pense qu'une fois que j'aurai fini toutes les classes, je ferai les trucs de... Les trucs d'histoire. Des planètes, mais pour l'instant, j'essaye de parer au plus simple, au plus rapide.
Est-ce qu'on va me laisser rentrer là-dedans? Comme ça. Oui. Ah oui, c'est vrai, il y a plein de méchants ici. Ce matériel de chargement que manigance les justifie. La vache. Ah oui, donc on vous en vraiment que les quêtes d'histoire et pas le ceux des factions là, des c'est pas mal. Niveau 52, tu dois leur rouler dessus. C'est par où? C'est par là. Tu te tapes toutes les zones d'histoire là, qui durent des plombes tout seul aussi, je peux te dire que là, le niveau il augmente. Alors j'ai pas pris les compétences d'équipage. Ah bah non, j'en ai pas donc je suis con. J'ai pas encore mon vaisseau. Ça c'est bien pour gagner un peu de thunes. Yes, oui, Padou. C'est par là. Qui me parle? Ça mène au même endroit. Comment il s'est relevé ? Mais enfin. Cible neutralisée.
Écoutez-moi, Cardan. Vous aider m'a déjà causé suffisamment de soucis comme dégâts. Ça. Vous allez faire ce que je vous dis et quand je vous le dis, ou... Ou quoi, capitaine? Je suis pas un de vos drones. Cette partie de l'opération m'appartient. Fin de la discussion. Comment osez-vous? Des intrus! Posez ces blasters au sol, soldats. Doucement. Au nom de la République, je vous ordonne de vous rendre. C'est fini, Cardan. Vous, les impériaux, Tavus, vous allez tous payer. Pas question, soldat. Maintenant, jetez votre arme avant que... Un signe du chaos? C'est une blague. Non, non. Vous devez être la nouvelle recrue dont m'a parlé Tavus. Ainsi, vous avez survécu. Je peux pas dire que ça me surprenne. Le chaos a toujours recruté les meilleurs. Je ne veux blesser personne, mais je ne vais pas avoir le choix. Vous êtes obstiné, soldat, je dois l'admettre. Je suis impressionné. Je ne pensais pas que la vieille m'enverrait quelqu'un. La vieille, après ce manque de respect. Garza a toujours toute sa tête. Qu'est-ce que vous attendez, Cardan? À moins que vous n'ayez pas le cran de combattre pour l'Empire. Je suis loyal envers Tavus. Pas envers votre Empire, ni envers personne d'autre. Débrouillez-vous. Je tue pas les bons soldats. Je vais à la fabrique vérifier que tout est prêt. Vous m'échapperez pas longtemps, Cardan. Gagnez du temps et mourrez tout de suite, soldat, avant d'être complètement dépassé. Ouvrez le feu! Oui, prenez tout votre temps, surtout. À terre. Lieutenant, je rêve, ou vous venez d'affronter des soldats impériaux? Non, vous avez rêvé. Vous devez avoir perdu la tête, Garza. Je vous ferai signe quand j'aurai besoin d'une réponse ridicule, lieutenant. Je suis sérieuse. Des soldats impériaux en uniforme dans les bas-quartiers de Coruscant. Et la sécurité de la République n'est pas au courant? Incroyable. Nous devons en savoir plus sur les liens entre les Justicars et l'Empire. S'ils reçoivent nos ennemis, ils doivent avoir de précieuses informations pour nous. Je ne dois pas chasser Cardan, madame? Nous devons savoir précisément où se trouve Cardan avant de le poursuivre. C'est l'occasion de rechercher des informations dans la base des Justicars. Ouais, j'avoue, hein. Selon nos informations, le terminal informatique principal des Justicars est dans cette base. Trouvez la carte d'accès et activez ce terminal informatique. Mes techniciens pourront alors y accéder et découvrir tout ce que les Justicars et l'Empire manigançaient. Je m'en occupe tout de suite. Parfait. Garza, terminé. Oui, tant qu'on dit « oui madame, bien madame », il est content. Et dès qu'on fait un peu d'humour, on n'est pas là pour rigoler. Ah, Nana, qui fait tomber des trucs qui viennent de l'étagère. Elle n'avait pas vu ça encore. Le meuble qui est au-dessus du canapé, là. Elle vient de voir qu'elle pouvait y aller, maintenant. Eh ben, elle a pas fini de me faire tomber des trucs, moi je te le dis. Hein. Alors, est-ce que je peux éventuellement faire la barre informatique? Je suis où exactement là? Je suis là, d'accord. Nouvelle année, nouvelle découverte. Zut.
Oups, 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 oups. Feu! Je ne fais que passer. Poupidou, pidou, pidou. Poupidou, pidou. Il est pas mort lui. Bravo, lieutenant. Mes techniciens sont en train d'accéder aux fichiers des justicards. Horaires des patrouilles, suivi des marchandises, archives des prisonniers. Ah, Cardan, sale. Je pense que nous avons trouvé ce que nous recherchions, lieutenant. Vous avez un nouvel objectif. Vous voulez dire que le vieillard n'est plus mon objectif ? Cardan est toujours un objectif, mais pas le seul. Cardan a fait travailler les justicards avec l'Empire pour capturer et reconstruire une antenne de communication abandonnée de la République dans une zone industrielle appelée la Fabrique. Apparemment, Tavus et ses hommes utilisent cette antenne pour transmettre toutes leurs communications interplanétaires. Si nous la détruisons, les traîtres ne pourront plus communiquer entre eux. Des problèmes de performance sur Swator. C'est-à-dire... Pourquoi les traîtres dépendent-ils d'un équipement comme celui-ci ? Ils ne peuvent évidemment pas compter sur les canaux de la République. Et les fréquences de l'Empire seraient inutiles, puisque nous pouvons connaître leur origine. Tavus et ses hommes ont besoin de cette antenne pour nous empêcher d'espionner leurs communications. Elle est essentielle pour eux, et sa destruction est essentielle pour nous. J'envoie le sergent Matin vous apporter les explosifs nécessaires à la destruction de l'antenne. Il vous rejoindra bientôt. Je retrouve le sergent Matin dès que possible. Une dernière chose. Cardan n'a pas l'air très lié à l'Empire. Je ne pense pas qu'il soit aussi convaincu de sa suprématie que ses protégés. Vous le trouverez certainement en train de garder l'antenne de communication. Tuez-le s'il le faut, lieutenant. Mais essayez de le convaincre de se rendre avant. Je ferai de mon mieux, général. Merci, lieutenant. La seule préoccupation de Cardan, c'est la sécurité des anciens membres du Chaos. Il ne nous fera peut-être pas de cadeau, mais à l'Empire non plus. Convainquez-le qu'il ferait mieux de se rendre dans l'intérêt de Tavus et ses hommes. C'est le meilleur moyen de l'influencer. Ça ressemble à un plan, général.
Cardan pourrait nous aider à convaincre les autres de se rendre pacifiquement. Présentez-lui les choses comme ça, ou nous devrons tous les tuer. Maintenant, dépêchez-vous de rejoindre le sergent Matin. Quoi qu'il arrive avec Cardan, il vous faudra ses explosifs. Bonne chance. Terminé. T'as des chutes de FPS alors que ta config fait tourner des gros champs d'ultra, c'est bizarre. Y a pas de raison, hein. Ça, donc de toute façon, tiens machin là, ça serait pas mieux pour toi ça? Non, non plus. Ouais, parce que moi mon PC, bon ça, il a quelques années déjà et il tourne nickel. Après je sais pas, ça pourrait pas venir d'un serveur surchargé, une connerie comme ça, non. Je suis pas sûr que ça influence. Arrêtez de me spotter là à 50 mètres. T'es mort? Oui. Faut que je refasse tout ça. Attaque de la fabrique. Et je peux pas me téléporter quelque part? Non, 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 échappe. Oula, c'est pas ça que je voulais faire, c'était ça. Alors, voyons voir. Je suis là. Secteur des Justicards, non. Attends, c'est où déjà? Faudrait que j'aille là. Qu'est-ce qu'on a? Ascenseur d'accès à la fabrique, poste de contrôle des Justicards. Donc si, en fait, il faudrait que j'aille là. C'est pas tout à fait là où je voulais aller, mais ça nous en a rapproché. Pouit. Nana, qu'est-ce que t'as trouvé?
Bonjour, lieutenant. Sergent Matine, à votre service. Je vous ai amené de quoi vous amuser un peu, madame. Voyons ce que vous me proposez. Commençons par l'explosif, madame. Un explosif à la thermite 53R des armuries Xerka. Idéal pour bien démarrer ou achever une fête. À quelle distance je dois me mettre quand cette chose explosera ? Eh bien, même si ça peut être tentant de regarder ce truc exploser, mieux vaut se mettre à bonne distance, madame. Bien. L'antenne qui nous intéresse est dans la fabrique, une zone industrielle dans les bas quartiers de Coruscant. C'est un endroit dangereux, lieutenant. Faites attention. Vous risquez de tomber sur des droïdes de service impériaux là-bas. Ils écrasent tout ce qui leur tombe sous la main avec leurs pinces métalliques. Merci de m'avoir averti, sergent. Je fais juste mon travail, lieutenant. Une fois à proximité de l'antenne, placez cet explosif au centre sur le couplage du générateur et fichez le camp avant que ça explose. Je vous ai tout dit, lieutenant. Je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Bonne chance. Youpi! Il y a un bon look futuriste des années 70. Futuriste rétro. Nana. Alors, c'est là où je me paume. Donc on va dire c'est tout droit. Est-ce que c'est par là ? Ou est-ce que c'est en bas ? Oh, je sais jamais. Ça a l'air d'y mener, ça, non ? Sur le clavier, attention. Est-ce qu'on est bien là ? Oui. Ou pas ? Ou pas ? Ou pas, c'est lui, le marsupilami. Bon, bah écoute, demi-tour.
C'est un vrai sac de nœuds ici. Donc il faut que je descende alors. Ou... Non, que je descende. Et ouais, référence de vieux. Je le fais que passer. Ouais, moi c'est pas la première fois et je peux te dire que c'est chiant. Hein. Tu te perds sans arrêt. Bon, c'est bien là? Oui. Oups, je les avais pas vus. Cible neutralisée. Toujours vivante, hein? Vous auriez dû partir pendant qu'il en était encore temps, soldat. Désormais, vous représentez une menace pour Tavous et les miens. Alors, KO ou pas, je suis dans l'obligation de vous tuer. Je perds mes manches. Vous avez toujours le choix, monsieur. J'ai fait mon choix. Tavous, Spectre, Scalpel, Cliquet et Fusible, ils sont comme mes enfants. Et je les ai abandonnés. J'ai démissionné, et je les ai quittés pour combattre seul, vous comprenez? Ils ont besoin de moi maintenant, plus que jamais. Je vais pas les abandonner, pas cette fois. Si vous voulez aider les vôtres, aidez-moi à les capturer vivants. Quoi? Garza pense pouvoir en finir avec ça en les tuant? Elle fait erreur. Je sais que vous voulez m'influencer, soldat, mais ça marche pas avec moi. Pensez ce que vous voulez, Cardan. N'empêche que j'ai raison. Tout ce que je sais, c'est que vous me faites perdre patience, soldat.
Je comprends même pas de quoi vous voulez me convaincre. J'essaie juste de garder les miens en vie, et votre mission, c'est de les tuer. C'est aussi simple que ça, soldat. J'ai travaillé avec vos hommes, monsieur. Je veux pas les tuer. C'est vrai que vous avez mis du temps avant d'essayer de me tuer. L'antenne est condamnée. Même si on vous tuait, il faudrait pas beaucoup de temps pour que Garza vienne nettoyer cet endroit. Et alors qu'il est, Garza doit connaître l'emplacement de toutes les bases des déserteurs. Ils n'auront plus d'issue. Aucun moyen de communiquer entre eux et tout... Excusez-moi, monsieur, mais il faudrait peut-être... L'aide de l'Empire sera insuffisante. Ils vont tous mourir. Tavus et les autres suivront votre exemple. Si vous vous rendez, ils feront pareil. Bon sang. J'arrive pas à croire qu'on en soit arrivé là. Monsieur ? Bien, soldat. J'accepte. Mais si vous touchez à un seul de mes hommes, je ne donne pas cher de votre peau, compris ? Vous avez ma parole, Cardan. Finissons-en avec ça, soldat. Je refuse de vous laisser entrer vivant en territoire ennemi, Cardan. Vous êtes encore là ? La mission est terminée, les gars. Fini. Échec de la mission. Alors dégagez pendant que vous en êtes encore capables. Vous ne me laissez pas le choix, monsieur. Préparez vos armes, soldats. Ça me rappelle le bon vieux temps. Voici mon arme, j'accepte. Je vais aller jusqu'à la tour du Sénat et me rendre. On verra ce que Garza décidera ensuite. Je suis heureuse que vous reveniez de notre côté. Je n'ai jamais dit que j'étais de votre côté, soldat. Je fais ça pour les miens, pas pour la République ou autre chose. En tout cas, je suis sûr qu'on se retrouvera bientôt. Il est sympa ce cheval bouc, mais oui. Je suis heureuse d'avoir pu combattre avec vous, monsieur. Ouais, ça m'a fait du bien de me dégourdir un peu les jambes. Surtout qu'il a rien fait, il est resté planté en plein milieu. En attendant que ça se passe. Allons détruire cette antenne et donner une petite leçon au petit bébé de Cardan. Lui, il a mauvaise parce que du coup, il a été rétrogradé. Avant, c'était mon chef, maintenant, c'est moi le chef. Oui, mais je suis pas méchante. Il faut que je me rende rejoindre le général Garza, qui est... On sait pas trop. Donc on va essayer de retourner là. Bon, est-ce que je vais avoir mon vaisseau, moi, avec ça ? Station de véhicule ouverte. Passez un excellent séjour. Telle est la question. En attendant, je vais reprendre un chocolat. Voilà. Faudrait voir le chien. On dirait E.T. C'est sur le canapé, il y a un truc qui le protège et il y a un autre sur lequel le chien peut se coucher. Sauf qu'il se couche dessous. Il gratte dessous, il se couche, et là, il est assis, il a l'espèce de couverture sur la tête, avec juste le bout de nez qui dépasse. Le chocolat porte conseil, ouais. Dans le panier du vélo, c'est ça. Mmh.
Mais arrêtez, il m'a balancé des boules de neige. Maintenant, il y a le chat qui est parti jouer avec son truc là. Son circuit en plastique. Je te raconte pas la vie qu'il y a dans l'appartement quand même. L'héroïne du jour. Je suis fière de vous, lieutenant. Vous avez fait du bon travail. J'ai juste fait mon devoir. Jack Cardan a marché jusqu'à la porte de la tour du Sénat et s'est rendu au grand jour. Jamais je n'aurais cru ce jour possible. L'aide de Cardan nous donne un avantage sur Tavus et les autres. Je suis heureuse que vous ayez pu le faire changer d'avis. Impliquer un ennemi dans nos opérations est une mauvaise idée. Cardan sera constamment entouré de gardes. Faites-moi confiance, cet homme est bien la dernière personne que je sous-estimerais. Les fichiers informatiques des Justicars contenaient des messages provenant de 4 destinations. Nos techniciens cherchent actuellement à savoir lesquels. Ça ne fait aucun doute que les messages nous conduiront au reste des traîtres. Grâce à vos efforts, nous pourrons les livrer à la justice très bientôt. Quels sont les ordres en attendant ? À l'heure où je vous parle, nous avons déjà découvert où se trouve l'un des traîtres du chaos, Spectre. Vous vous souvenez du sénateur Crassule, à propos de l'affaire du Sénat ? Spectre l'a enlevé juste après, alors qu'il venait de rentrer chez lui. Nous avons suivi leurs traces jusqu'à une station spatiale isolée, Port Raga. Spectre a demandé quelque chose de spécial. Quel est son objectif ? Nous avons peu de renseignements à l'heure actuelle. Aucune requête n'a été formulée pour le moment. L'une de nos équipes est déjà partie en direction de Port Raga. Elle va faire un tour de reconnaissance et vous briefera lors de votre arrivée. Vous avez déjà accompli de grandes choses, lieutenant, mais ce n'est pas le moment de vous tourner les pouces. Quels que soient les plans de Spectre, on ne peut pas la laisser agir sans rien faire. Compris ? Je ne m'arrêterai qu'une fois ma mission accomplie. Je sais bien, lieutenant. L'escouade du chaos possède son propre vaisseau pour plus de flexibilité. On vous en a d'ores et déjà transféré. Yeah, ça Il y vous est. Attend au spatioport. Merci bien. Utilisez-le à bon escient, lieutenant. Rendez-vous à Port Raga et entretenez-vous avec nos éclaireurs. Vous avez pour ordre de sauver le sénateur Crassule et de capturer Spectre, morte ou vive. Bonne chance, lieutenant. Rompez. Partons d'ici et allons abattre quelques traîtres. Oui, oh, calme-toi, toi, hein. Mon vaisseau, il est où ? Et on s'arrêtera une fois dans le vaisseau. Je pense que... Ça fait une bonne petite soirée, là.
Une bonne petite journée, ouais. C'est vrai. Pour le coup... Ah bah attends, je suis bête. Oh, j'ai un véhicule. Voilà. Bonne année, Lictos. Non, c'est pas ça. Alors, c'est par où? Et on m'a encore balancé une boule de neige. Mais vivement que ça s'arrête, ça. Oh, c'est pénible. Là où t'es, il est juste... Ah bah alors, pas encore la bonne année. Ah oui, non, Marcus. D'accord. Bah alors, une presque bonne année, Marcus. Alors, il a quelle gueule, ce vaisseau? Il y en a qui sont moches, quand même. Hein. Ceux des Jedi en particulier. Bah, c'est quand même un gros bloc. Il y a mieux. Hein. Celui de la contrebandière, je crois que c'est le même que le Faucon Millenium. Ah non, mais il est moche. Hein. Il fait moins 15. Oh, bah dis donc. Je suis bien contente d'être ici, alors. Même sans chauffage. Il faut aller du côté de l'Empire pour la classe. C'est pas faux. Enfin, ma nouvelle maîtresse. Je suis C2N2, intendant de ce vaisseau. J'ai l'honneur et le plaisir de vous servir. Pourquoi le général Garza m'aurait refourgué un droïde de protocole? Tu n'as même pas de blindage avancé. N'importe quel soldat a besoin d'une logistique irréprochable. Je fournis un niveau de soutien maximum. Les droïdes de série C2 intègrent les toutes dernières avancées technologiques, de la maintenance approfondie du vaisseau jusqu'au conseil nutritionnel personnalisé. Bienvenue à bord de l'ouragan B. Mais Nana, calme-toi avec ton jeu là. Vaisseau d'attaque spécialement conçu pour les forces spéciales de la République aux frais astronomiques du contribuable. En plus de tout le confort standard, vous y trouverez le coffre du capitaine pour entreposer les objets de valeur. Votre pont possède une carte de la galaxie mise à jour en temps réel. C'est joli comme tout. Oh, c'est joli. Les alertes prioritaires de la République sont accessibles via la console HoloNet. Les communications à longue distance sont disponibles via l'Holo Terminal. Et enfin, l'intercom du vaisseau vous permettra de mobiliser votre équipage. Avez-vous des questions, maîtresse? S'il y a quoi que ce soit, je te ferai signe. Merci pour la visite, ces deux. À votre service, maîtresse. Une ou deux choses pour finir. Vous l'avez vu, je ne suis pas équipé contre les dégâts physiques. Ma fonction est de prendre soin de ce cocon mobile. Je me ferai un plaisir de gérer vos tâches inoffensives, bien sûr. J'ose affirmer que mon sens du détail vous éblouira. Qu'est-ce que tu appelles une tâche inoffensive, au juste ? Non, on peut pas les renommer. J'effectue également de la surveillance et de la diplomatie à distance. Je suis très utile. Vous verrez. Oui, bien sûr. Quand vous serez paré au départ, consultez la carte de la galaxie sur votre pont. Les ordinateurs de bord s'occuperont du reste.
Bon, il est juste parfaitement inutile ce robot. Hein. On va pas s'en servir de tout le jeu. Il veut juste dire, oh, j'ai refait la peinture chez dans votre quartier. Oui, très bien. Je suis contente de le savoir. Alors, machin, il est passé où? Non, ça c'est la sortie. Là-haut? Non. Bon bah je sais pas où il allait se cacher. Ah, il est là. Coucou. Tout de suite. Au revoir. Ok. Tu veux pas parler, hein. Ça va être quoi la prochaine mission? Spatioport de Coruscant, répondez. Demande autorisation de décoller. La voie est libre. On vous souhaite un bon voyage. Alors, qu'est-ce qu'on me propose? On va prendre ça. Re Darkbane. Tu tombes bien, j'allais arrêter. oui. C'est quoi ça? Est-ce qu'on peut l'améliorer? Non. Est-ce qu'on peut l'améliorer? Oui. Alors, je vais garder celui-là, du coup. Et toi, t'as quoi? Toi, t'as un fusil à lunettes, donc ça va pas te servir. Bon. Je peux maintenant? Il a envie de discuter? Il a arrêté de faire le grognon? Bon. J'ai consulté vos états de service avant cette opération ZR-57. Je voulais en parler avec vous. Vous pouvez donc tuer des impériaux, mais la guérilla ne vous sauvera pas le moment venu. Ah oui, c'est un truc qui raconte le robot. Vous avez vu ce que j'ai fait sur Orbe Mantel. Je sais ce que je fais. Vous occuper de cette armée de séparatistes toute seule prouve votre courage, pas vos talents de leader. Quand je me suis engagé avec les yeux de Lynx, mon officier de commandement était le lieutenant Vorn, un vrai héros de guerre, la poitrine pleine de décorations. Quand il donnait un ordre, on lui faisait confiance. On le suivait à la lettre. Une unité a besoin de cette confiance pour bien fonctionner. Vous voulez dire que vous ne me faites pas confiance? Je veux dire que la confiance demande plus qu'une simple promotion. Les squads du chaos et les... Il a toujours en travers que je suis son supérieur. On lui confie des missions que personne d'autre ne peut gérer. Traître ou non, Tavous c'était un exemple. Vous pensez être à la hauteur? Mes états de service parlent pour moi. Je l'admets. Vous avez accompli plus de choses que n'importe qui à votre âge. Vous avez beaucoup de confiance et un talent inné. Vous vous en sortirez peut-être. Sois un peu plus optimiste, Arik. Vous pensez que le chaos va ressembler à une escouade un jour? Bah si on est plus de deux, oui. Vous voulez dire que ce n'est pas le cas? Deux personnes ne font pas une escouade, chef. Ce sont juste deux personnes. Quand cette unité grandira, les gens attendront toujours plus de nous. Et de vous. Ce poste de responsable pourrait vite vous dépasser. Je suis né pour commander. Oh, c'est trop prétentieux, ça. Non, c'est pas du tout ce que je voulais dire. Vous pensez... Je ne recruterai d'autres soldats que quand j'aurai trouvé des candidats qui en sont dignes. Pas bête. Quand cette unité grandira, ce poste de responsable... Quelqu'un doit gérer l'escouade du chaos. Commander une escouade n'est pas une partie de plaisir. Rien de pire que de choisir entre le succès d'une mission et la vie de ses hommes. Un responsable doit se préparer à faire ce genre de choix. Il ne faut laisser aucune place au doute. Vous avez raison. J'y penserai. Je suis sûr que vous vous débrouillerez bien. Vous nous avez permis d'arriver jusque-là. Bon, voilà, ça y est. Quoi? Pourquoi? Mais non. Ben, on va s'arrêter ici, hein. Sacrée journée de live. Avec un peu de sel quand j'ai cru que je pouvais
J'avais perdu toute une progression dans Dragon's Dogma. Mais non, sinon tout va bien. Bon, mais sur ce, la bonne année. Et puis merci d'avoir suivi et à la prochaine. Allez, ciao.